Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 30 idées de petits business rentables avec peu d'investissement. Vous avez envie de devenir votre propre patron et de prendre votre indépendance ou vous souhaitez arrondir vos fins de mois, le meilleur moyen est de commencer par monter une petite affaire. Pour vous inspirer, voici une liste de 30 petits business rentables avec peu d'investissement de départ. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Acheter des objets à revendre sur eBay. Dans les vide-greniers et les braderies, vous pouvez trouver des trésors dont les vendeurs ignorent la réelle valeur. Il ne vous reste qu'à les revendre sur eBay en empochant une plus-value. Numéro 2. Écrire des articles de blog. Si vous avez une belle plume et que vous maîtrisez la rédaction optimisée SEO, de nombreux blogueurs seront prêts à acheter vos articles pour accroître le contenu de leur site. Numéro 3. Monétiser votre blog grâce à l'affiliation. Si vous possédez un blog sur une thématique rentable, pourquoi ne pas le monétiser grâce à l'affiliation? En passant par une plateforme ou en vous adressant directement à une marque, vous empocherez un pourcentage sur chaque vente. Numéro 4. Rédiger des tutoriels. Vous avez des connaissances techniques à faire partager, rédigez des tutoriels et proposez-les à la vente sur une plateforme dédiée. Ce type de document est très demandé. Si vous pouvez les faire illustrer, c'est encore mieux. Numéro 5. Rédigez des livres de recettes. Vous aimez la cuisine et vous avez créé vos propres recettes, compilez-les dans un e-book, ajoutez de belles photos et mettez-le en vente sur la plateforme d'Amazon ou sur un blog dédié à la cuisine. La vente d'e-book et de recettes de cuisine est un petit business rentable car l'intérêt du public pour cette thématique est élevé. Numéro 6. Vendre des fiches de lecture. À l'approche de la période des révisions du bac et des examens universitaires, les fiches de lecture sont très demandées. De nombreux sites vous permettront de proposer votre travail aux étudiants pressés. Numéro 7. Réaliser des logos. Si vous êtes graphiste, réaliser des logos est un petit business rentable. Que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, la demande est importante. Numéro 8. Créer des cartes de vœux. Autre petit business rentable pour ceux qui maîtrisent les arts graphiques, la création de cartes de vœux. Qu'elles soient virtuelles ou en impression à la demande, elles restent un produit prisé pour toutes les occasions de la vie. Numéro 9. Créer des thèmes WordPress. Pour ceux qui savent coder, la création de thèmes WordPress est une excellente idée de business. Les blogueurs sont toujours à la recherche de thèmes originaux pour personnaliser leur site. La plateforme permet de mettre vos créations en vente. Numéro 10. Faire de la pub pour des entreprises sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont la clé de la visibilité pour les entreprises. Proposer à celles qui ne sont pas à l'aise avec leur utilisation de faire leur publicité est un petit business très rentable si vous maîtrisez le marketing web. Numéro 11. Créer des blogs ou des sites internet pour les entreprises. Dans la même veine, vous pouvez proposer aux commerçants de leur créer un blog ou un site internet en fonction de vos compétences que vous animerez pour eux. Numéro 12. Monter des vidéos. Vous êtes à l'aise avec les logiciels et le montage de vidéos? Proposer à ceux qui veulent se lancer sur YouTube de réaliser le montage de leurs films est une petite idée de business qui peut s'avérer très rentable pour peu que vous sachiez mettre en lumière la plus-value apportée par votre prestation. Numéro 13. Se lancer dans l'arbitrage. L'arbitrage consiste à acheter un service à un prestataire pour le revendre plus cher à un client. Par exemple, vous connaissez quelqu'un qui a besoin de contenu pour son blog et qui est prêt à payer 50€ pour ça, mais vous n'êtes pas rédacteur. Acheter un article à 20€ pour lui vendre, c'est le principe de l'arbitrage. Un petit business qui peut vite devenir très rentable. Numéro 14. Donner des cours. Les cours de soutien scolaire, de sport ou d'activités de loisirs sont un business qui fait toujours recette et qui nécessite très peu de moyens. Cerise sur le gâteau, vous pouvez choisir vos horaires. Numéro 15. Donner des conseils de maquillage et de mode. Vous êtes une pro du maquillage et de la mode, pourquoi ne pas proposer un service de conseil à celles et ceux qui veulent changer de look ou améliorer leur apparence? Numéro 16. Proposer un service de beauté à domicile. Si vous êtes diplômé de coiffure, d'esthétique ou formé à la pose de faux ongles, vous pouvez monter un petit business rentable en proposant de faire bénéficier les gens de vos compétences sans avoir à se déplacer. Numéro 17. Créer des ateliers de fabrication de maquillage maison. La fabrication de cosmétiques maison bio et zéro déchet a le vent en poupe. Vous avez réalisé l'ensemble de votre trousse à maquillage vous-même, alors vous pouvez créer des ateliers payants pour partager votre savoir-faire. Numéro 18. Créer un service de soutien par téléphone.
Ce business demande de réelles connaissances en psychologie et de bonnes capacités d'écoute, sous peine de nuire à vos clients et à vous-même. Si c'est le cas, sachez que les services de soutien par téléphone rencontrent un certain succès. Numéro 19. Devenir photographe indépendant. Vous êtes passionné de photos et vous possédez votre propre matériel, vous pouvez en faire un petit business rentable en proposant vos services de photographe pour les événements de la vie ou pour des shootings privés. Numéro 20. Devenir cuisinier personnel. Si c'est la cuisine qui vous passionne, proposez à vos clients de concocter des petits plats pour eux. À l'heure où le temps de cuisiner se fait rare, ce type de business connaît beaucoup de succès. Numéro 21. Devenir jardinier à domicile. Vous avez la main verte, entretenir la pelouse et le jardin de vos voisins à leur place peut devenir un petit business rentable. De nombreuses personnes apprécient d'avoir des plantes, mais manquent de temps pour en prendre soin. Numéro 22. Proposer un service de livraison et de montage de meubles. Si vous avez le permis de conduire et un véhicule adapté, vous pouvez proposer aux gens de leur livrer les meubles qu'ils achètent en magasin spécialisé comme Ikea ou Conforama. Incluez le montage dans votre offre et vous serez sûr de faire un carton. Numéro 23. Devenir consultant en zéro déchet. La bonne gestion des déchets et leur réduction sont des enjeux environnementaux majeurs. De nombreuses familles et entreprises souhaitent réduire leurs déchets, mais ont besoin de conseils pour y parvenir et mettre en place des alternatives. Si vous avez des compétences en la matière, vous trouverez une clientèle sans trop de mal. Numéro 24. Devenir réparateur de smartphones. La réparation de smartphones est un petit business très rentable qui ne nécessite que quelques outils et du savoir-faire. Les tarifs des constructeurs étant souvent prohibitifs, les particuliers font plus volontiers appel aux réparateurs indépendants. Numéro 25. Devenir chasseur d'appartements. Voici un autre business à l'investissement minimal, chasseur de biens immobiliers. Le travail consiste à vous charger de la recherche de maisons ou d'appartements pour les personnes pressées qui cherchent à louer ou à acheter. Numéro 26. Monter en business de retouche de vêtements. Vous êtes habile de vos 10 doigts et la couture n'a pas de secret pour vous, lancez un petit business de retouche de vêtements. Si vous êtes doué, vous pouvez même proposer la confection de pièces personnalisées. Numéro 27. Collecter des vêtements à amener au pressing. Trouver le temps d'amener et de récupérer ses vêtements au pressing est un vrai challenge pour les personnes très occupées. Soulagez-les de cette corvée en montant votre business de collecte et de livraison de vêtements à domicile pour le pressing. Numéro 28. Réparer les vélos. Dans les villes, le vélo détrône de plus en plus volontiers la voiture, mais rares sont ceux qui savent effectuer les réparations de base comme changer une chambre à air ou les plaquettes de frein. Réparer les vélos est donc un petit business rentable à monter. Numéro 29. Se lancer dans l'organisation d'événements. Vous avez un sens aigu de l'organisation, c'est vous qui êtes préposé à la logistique lors des réunions de famille et autres grands événements, faites profiter les autres de vos compétences en gagnant de l'argent en prime. Numéro 30. Entretenir des sépultures. Dans les cimetières, de nombreuses sépultures sont délaissées car la famille des défunts n'a pas le temps de les entretenir. Proposez-leur de leur faire à leur place. L'entretien de tombes est un petit business très rentable, surtout si vous habitez dans les environs d'un grand cimetière. Maintenant que vous avez 30 idées de petits business rentables, il ne vous reste plus qu'à choisir celle qui correspond le mieux à vos compétences et à vos goûts. Une fois votre affaire sur de bons rails, vous pourrez la développer à votre guise pour passer à la vitesse supérieure. N'oubliez pas, le meilleur moment pour vous lancer, c'est aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre « Comment créer un business sur Internet qui rapporte » en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.